Et salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Aujourd'hui petite vidéo capture. Du coup on est parti pour 15 captures drop, donc sur des boss cette fois-ci. Donc voilà, des drops bien plus intéressants. On va commencer direct avec une petite capture Maître Korvac. Et les potes, bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019. En espérant qu'elle soit remplie de bonheur, si possible meilleure que 2018 pour vous, et surtout une très bonne santé les gars. Donc voilà, faites pas trop les cons et voilà, je vous souhaite vraiment que du bonheur pour 2019 et voilà. Donc du coup les potes, on va se faire 15 captures tranquillou, là on est pile le 1er janvier. Les fêtes sont finies, donc au boulot ça commence à se calmer un petit peu. Ça fait du bien. Moi pour le coup je commence 2019 un peu enrhumé, enfin un peu malade. Donc désolé d'avance si je tousse un peu ou voilà, je renifle comme ça, désolé. Mais je vais faire en sorte de pas trop le faire. Mais voilà les potes. Du coup on commence direct avec un Maître Korvac, Tchall les petits d'abord. Donc on va prendre soin de tuer avec le Féca du coup. Pas faire le con si possible. Et tout devrait bien se passer. On espère un max de drop dans cette vidéo. Histoire de bien fêter la nouvelle année. Et voilà les potes. Allez, let's go. Je vais finir là. J'ai plus qu'à passer. Et ça devrait être pas trop mal. Le coffre qui a eu le temps un petit peu de se boost. Allez, c'est parti. 75% supplémentaire. Clacos ou Cap Fulgu. Et non. Dommage, il n'y a rien, on a juste la plume. Mais ça vaut pas des masses. Du coup, les potes, on a 15 captures. Donc, il y a du bon boss là quand même pour drop. C'est pas trop mal. On a du Maître Korvac. Non, Minotaur, c'est pas dans le truc. Bon, pourquoi j'ai mis d'ailleurs. Du Gourlot, du Chouk, du Pecky, du Maître Pandore. Du Tinryl aussi. Là, il y a du Melou, du Chinarve. Il y a de tout, les gars. On va se faire 15 captures. J'espère qu'on va drop. Et je vous dis à toutes pour la prochaine, du coup. Allez, les potes. Petit Chouk, double Tchall, Mystique et Versatile. C'est parti. On va le terminer. Allez, let's go. Double bon Tchall, là. Est-ce que ça va drop? Yes, les gars. Double drop. La barbe et le bouac. C'est parfait. Et le saphir. Et bien, triple drop, les gars. Et le parchemin d'ivoire. Quadruple drop. Et il y a une boucle aussi. C'est le cinquuple drop, les gars. Parfait. La barre et le bouac. C'est nickel pour commencer la vidéo. Et pour commencer 2019 en beauté, les potes. Donc, c'est parfait. Si on peut avoir des tchals comme ça tout le long des captures, c'est top. Du coup, on se retrouve pour la prochaine capture, les gars. À toutes. Let's go, un petit Pekich à circuler les potes. Bon, j'ai perdu le chrome malheureusement, mais c'est moi qui ai fait de la merde. Du coup, petite châle, plus 39%. Mais bon, on sait jamais, ça peut quand même faire dropper des petites étoffes. Allez, on va regarder ça de suite. Et une étoffe, les gars. C'est déjà bien, une étoffe et une queue. Donc ça va, on prend franchement pour un châle circulé. C'est correct. Mon record, c'était quand même 6 étoffes, les potes. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais voilà, du coup on prend l'étoffe, c'est parfait. Et on enchaîne, allez à toutes. Allez, petit Wabbit, les gars, un petit Wawabit. Tchall'Conta, bon c'est un mob qu'on fait pas souvent. Mais il permet de dropper des étoffes Wawabit qui valent un petit peu, des parchemins. Et un tas de petites bricoles, donc ça peut être cool, je me suis dit, let's go. Donc c'est mon frérot qui avait fait le donjon pour avoir des Dofus. Du coup les potes, on drop un grand parchemin de vie. Un grand de chance, un grand de sagesse, et il n'y a pas d'étoffe malheureusement. Sur un Tchall'Conta, c'est bon, c'est dommage. Mais en tout cas, ça va. Sur les Tchall, on a de la chance. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça peut pas tout le temps tomber. Mais en tout cas, les pare-chocs qui font tout de même assez plaisir. Donc voilà, les potes, on continue les captures. À toutes. Allez, les gars, petit Melou, Tchall Nomade. Conta, j'ai voulu essayer, mais avec Lugie, c'est un peu relou. Il met le poison au premier tour, donc voilà. Mais nomade quand même, les potes. Allez, ce qu'on drop. Alors, le mieux, ce serait l'étoffe et le diamant. On va regarder ça. Généralement,
Bon, il n'y a pas les... y a pas l'étoffe déjà. Et il n'y a pas le diamant non plus. Il y a le scalp. C'est déjà pas mal, mais je vois pas le diamant. Bon, dommage. Mais bon, on se contentera que d'un scalp, du coup, les potes. Pas trop grave. Mais on enchaîne. Allez, à toutes. Allez les gars, de nouveau un maître Korbach Chal ordonné. Allez, c'est parti. Normalement, je devrais le tuer. Tranquillou. Allez, let's go. Chal ordonné. Est-ce que ça va drop? Et non. Dommage, pas de cap fulgu ou de clacos. Bon, bah tant pis les potes, on enchaîne avec une autre capture à toutes. Allez, c'est parti pour un petit chine larve, chal versatile et circulé. C'est parti les gars. Ah yes, la dent qui tombe. Une, deux, trois pots, quatre pots, cinq pots. Une dent, cinq pots, c'est plutôt propre les gars. Donc c'est bien. Bon, la dent, normalement, ça vaut pas non plus des 1000 et des 100, mais au moins c'est un bon petit drop. Donc c'est cool les gars. On enchaîne avec une autre capture à toutes. Allez, c'est reparti pour un petit chouk, chal, anachorète et duel. On va le terminer si on fait pas de CO4 les gars. Donc j'ai pris avec le yop, hein, je l'ai full boosté, ça va assez vite. Et voilà, comme par hasard je fais un EC, bon c'est pas grave. On va passer nos tours assez vite. De toute façon, normalement, je peux pas rater le chal. Donc c'est bon. Dommage, m'en doutais, il fallait que je le dise. Pour que ça rate, mais bon, si un dossier, ça peut me faire dropper. Ça va. Ça me va amplement. On sait jamais. J'aurais juste dû faire un sort en fait. C'est pas grave les potes, là on va faire des épées de jugement. Et vous voyez que le Yop est en 12 PA là du coup. Avec la full panneau plignon, il a up. Et voilà, donc ça c'est plutôt nice. Allez, let's go. Est-ce que ça va drop les potes? Yes, un bois qui tombe. Et c'est très bien. Le bois qui est quand même bien mieux par rapport à la barbe niveau prix. Donc c'est cool les gars. Un bois qu'en plus. Parfait pour l'instant les chouks. C'est du 100%. Ça nous réussit plutôt bien. C'est un mob qui nous réussit. Donc c'est cool. On enchaîne les potes. Allez les gars, là c'est un maître Pandore Chal imprévisible 85%. On espère drop une étoffe. C'est parti. Allez. Ah, dommage, il n'y en a pas au début. Eh non. Dommage, pas d'étoffe maître Pandore les gars. Bon. Ça fait partie des grosses ressources du jeu. Malheureusement, pas drop. C'était un petit Chal imprévisible 85% quand même. Mais bon, dommage les gars, on continue. Allez les gars, petit gourlot, tchal désigné volontaire et perdu de vue. Bon, un peu chiant désigné volontaire vu que c'était le gourlot en premier. D'ailleurs, j'ai même perdu Lenny vu qu'il passait tout le temps son tour. Et bref, du coup les potes, et on drop même pas de poudre. Bon, dommage, vous voyez, j'ai fait assez long le combat. C'est dommage, mais pas de poudre, juste deux touffes, on s'en fout un peu. Et c'était perdu de vue et désigné volontaire, donc bon, bah c'est pas trop grave. On aurait aimé mieux vu que c'était un peu relou, mais bon, c'est comme ça les potes, on enchaîne. Allez les potes, petit Pekki, malheureusement pas de tchal. Je voulais faire. Bon, pas d'étoffe du coup. Je voulais faire élémentaire, d'habitude je le fais et je le tape feu, mais vu qu'en fait, bah, les persos. Depuis, ont évolué et ont changé leur stuff. Et ben, en fait, le panda joue juste avant le Pekki. Du coup, bah, dès que je l'ai vu le nez, il se débuff. Donc, bah, le feu était pas possible. Et en fait, j'avais déjà commencé à le taper feu avant de réaliser ça. Donc, bon, petite erreur de ma part. Du coup, bah, dommage, il n'y a pas de tchal et pas d'étoffe. Donc, ça fait chier. Mais c'est comme ça, les potes. Du coup, il nous reste combien? 4 captures. Il reste un Tinryl, un Wabbit, un Chook et un Korbach. Donc, sur le Korbach, on va essayer de drop quelque chose quand même. Et voilà, les potes. Du coup, à toutes pour la prochaine capture. Allez, les potes, un petit Tinryl. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Donc, c'est parti. Let's go. On a Chal élitiste. On espère dropper le petit orme, forcément. Allez, c'est parti, les gars. Pas d'ambre, putain, il y a masse ressources, enfin masse ressources pour un Tinryl, et pas d'ambre malheureusement, dommage. Bon, 12 minutes, ça a été assez rapidos. Dommage, dommage. On continue les gars, il reste 3 captures, let's go.
Allez les potes, dernier maître Korbach de la vidéo. Tchall duel, bon, Tchall hyper relou, je l'ai quand même fait, j'ai perdu beaucoup de temps. En plus, le coffre est mort, mais bon, on verra si ça permet de dropper. Est-ce que je tue là au moins? Oh non, mais je tue même pas en fait. Non, pas du tout, vu qu'il débuff en plus. Oh, c'est pas grave, du coup, on va se faire le petit tour en plus. C'est l'heure au prochain. Ok, pas grave, hop. On passe, on passe. C'est parfait. Je vais même pas donner de PA, c'est pas grave, je veux juste du nez. Donc voilà les potes. Au fait, j'ai donné les cadeaux aux gagnants. Je screen et tout pour vous montrer, mais bon, je vous montrerai peut-être fin de vidéo. Du coup, il y a eu plutôt des bonnes choses. Donc je pense que c'est juste moi qui ai pas trop de chance sur les cadeaux. Il y a eu un poisson rare, c'est sardine sombre, il me semble, qui vaut quand même un petit peu. Après, il y a eu quand même des pierres de Doppel, pas mal de rubis, d'ambre bambouto sacré. Il y a vraiment eu des bonnes choses, franchement. Franchement, il s'est gavé, donc bravo à lui. Enfin, voilà quoi, les gars, c'était juste comme ça. Bon, 504, je vais le tuer quand même ou pas? J'espère. Je peux pas aller brocle. Faut prier. Parce que là, je me suis encore fait des buffs. C'est Korbach qui font trop chier. Je pense si je fais plutôt. Ouais, si je vais comme ça, c'est bon. Voilà, duel les potes, c'est fini. Et pas de drop du coup. Bon, bah voilà, 18 minutes, c'était trop long, c'était abusé. C'est pas grave, on enchaîne. On va faire un petit Wabit du coup. Allez, let's go. Allez, les gars, petit Wabit Tchall sur 6, c'est parti. Allez, la petite étoffe, ça ferait plaisir. On va voir ça. Alors. Il y a une cagotte maudite, alors ça, je sais pas si ça vaut vraiment, mais on a des grands pare-chauds. On n'a pas eu celui de vie et on n'a pas eu de. Pas eu d'étoffe. Dommage, on ira voir la cagotte maudite au cas où quand même. Et du coup, il nous reste un chouk. Du coup, on se fait ça, les potes. À toutes. Allez, les gars, c'est la dernière capture de la vidéo. C'est le 1 chouk. Tchall duel est désigné volontaire. Alors, est-ce que le chouk va nous porter chance jusqu'au bout? Et non, dommage, il n'y a pas de drop pour la dernière capture, les gars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un peu les prix de tout ce qu'on a drop vite fait. Juste pour info, pendant la vidéo, j'ai vendu l'étoffe Peki à 500 000 Kama. Donc voilà, comme ça c'est fait. Ça, c'est dans la pocket. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a chopé? On a eu du coup deux bouacs, un bout de barbe. On a eu une dent de chine larve. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je regarde un peu après. Alors, là-dedans. Normalement, c'est dans les eaux. Mais est-ce qu'il y en a? Parce qu'il n'y en a pas tout le temps en vente de cette connerie. Chine larve. Apparemment, il n'y en a pas. Voilà, c'était sûr. Les pots, c'est 40 000. On en a eu 5, donc c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Ah ouais, j'avais eu un Clacos aussi, les potes, mais ça c'était en bonbon. C'était pas pendant. D'ailleurs, il doit être encore là quelque part. Il doit traîner. Je sais pas où. Merde, du coup, il n'y a pas la danse, fichier. Mais bon, le prix c'est environ 200 000, quoi. En gros. Pour vous faire une petite idée. Qu'est-ce qu'on avait eu? Ah oui, le bouac, la barbe. Allez, barbe. Combien elle est la barbe? 340 000 en ce moment, c'est propre. Le bois qu'il a à 500, 600 000, donc c'est propre aussi. Donc déjà 1 million. Un Clacos, bon, c'est juste pour voir. Oh, 680 000, c'est pas mal aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a droit? Putain, mais je sais plus, merde. On va regarder sur les nus. Généralement, c'est lui qui. Barbe. Alors en fait, on n'avait pas drop tant que ça parce que le gourlot, on n'a pas eu. Melou, on n'a pas eu. Waouh, ah, Wawabit. On avait eu la kawatt maudite. Merde, ça se vend peut-être pas. Oh non, bah, je sais pas. Je vais juste regarder l'étoffe Wabit, combien ça vaut. Putain, 110 000 quand même, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, les gars. Mais de toute façon, on n'en a pas eu.
Bah au final, on n'a pas eu tant de choses que ça. Je pensais qu'on en avait eu plus. Mais non, en fait. Non, non, non. Dommage. Dommage, dommage. Vous voyez un peu les prix de tout. Putain, l'étoffe mou, elle est bien chère aussi. Ils ont bien aimé la tomber, celle-là. Il y a eu les grands pare-chauds, si on peut les check vite fait. Le prix des grands parchemins de Carhartt. Donc, il y avait un grand de vitalité, ça vaut 50 000. Un grand de chance, 70 000. Et un grand de sagesse, 100 000. Donc, franchement, Wabi, c'est pas trop nul. C'est encore pas trop nul. Et puis voilà, les potes. Voilà, il y avait l'étoffe aussi, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Vous voyez là le clacos. Bon, après, il y avait le scalp, la queue. Bon, ça vaut vraiment pas trop le coup de checker. Ça vaut pas des masses. Donc voilà, les potes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. D'ailleurs, je pensais à un truc, c'est faire. Vu qu'en fait, je fais 10. Enfin, je fais souvent des vidéos de capture. Je me suis dit peut-être que si vous voulez un peu plus de contenu, et moi ça me ferait pas entre guillemets de boulot en plus pour faire des vidéos, ça serait de vous faire peut-être les donjons, genre bah voilà, du coup je ferai des vidéos, je fais 10 donjons, machin, mais je filme dans le donjon en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, c'est vraiment histoire qu'il y ait encore plus de contenu, plus de vidéos, et en gros bah voilà, au lieu de par exemple de sortir bah, une vidéo de capture, je pourrais sortir bah du coup la même, mais en donjon, comme ça on pourrait aussi comparer. Enfin voilà. Du coup les potes, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Profitez bien, débutez bien cette année 2019. Je vous fais des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Ciao, c'était Vampix. Ciao.